Mesdames et messieurs, Lève les mains, lève les mains. nous sommes réunis ici aujourd'hui pour fêter l'union, évidemment consentie de A à Z, de deux êtres humains qui s'aiment à la vie, à la mort. Allô? Ouais, allô, t'es où? Ça va ou quoi, Mathéo? Bah ça va super, et toi? Ouais, tranquille. T'es où? Ça t'es quoi? Bah je suis là. Ah, putain, je t'ai pas vu. Tranquille, Mathéo? J'ai entendu quelqu'un tirer. Où ça? Bah je sais pas, dans les alentours comme ça. Ah, j'ai pas entendu. Ok. Ça dit quoi, Mathieu, tranquille? Ben on est là, quoi. Ça fait longtemps. Je vais organiser un rendez-vous avec les BMF. Avec une meuf? Non, avec les BMF. Ah, les BMF, vas-y, je suis chaud. Tu sais que la dernière fois, j'ai demandé aux Japonais de tabasser le restaurant des Italiens, là, les Crucial Fix. Ils l'ont fait? Ouais, ils l'ont fait, ouais. C'est qui la rouge? Elle est incroyable. La rouge, c'est à moi. Ah. Fils de pute, c'est toi qui as tiré dessus. Non. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que t'as tiré sur les pneus. La tête de Wam. C'est... Non. Oh là là. Oh ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu vas avoir mal à la tête, Roya? Non, mais Roya, y'a rien du tout. Oui. Mais non. Regarde, je vais rentrer, ça va faire... Ah, regarde, y'en a pas que de balles. T'as mal à pas que de balles? Là, juste là, y'en a pas que de balles. Je vois là. Wow, là, y'en a pas que de balles, juste là. Le pneu éclaté, le pneu crevé, voilà. Ok, non, donc t'as tiré sur ce pneu-là. T'es un bâtard, voilà, t'es un bâtard. Mais non, mais parce que je savais pas que c'était avec toi, Mathéo. Putain, mais donc tu sais pas que c'est à moi, donc tu tires sur des voitures, toi. Ben oui, faut porter la ride, c'est important. Ouais, t'as raison, ouais. Ça se tient. Vas-y, montre. Attends, arrête-toi. Oh là là. Voilà, là, je pose mon gros qui. Putain, mais t'es une galère, toi. Ça va? Bah non, ça va pas, Roya. Ça te dérange pas, je fais des ablutions, j'ai pas fait. Attends, Roya, j'ai contacté un mec pour avoir des costumes sur mesure. Ah oui? Ouais, parce que moi, Kefta, et toi, et d'autres peut-être personnes, on va faire la mafia marocaine, Roya. Mais non! Eh oui. Mais c'est pas marocain? Bah c'est pas grave, on dirait que t'es marocain, tu viens Vous du Sahara. Vous allez me convertir? Bah oui, tu viens du sud, t'es un mec bronzé du sud, du Maroc. Moi, j'étais au Maroc pendant un peu de temps. Ah ouais, combien de temps? Regarde, tu vois? Bah, putain, je vendais des montres à la Médina. Des montres? Ah ouais? Oui, je vendais des montres, des Gucci. Oui, au souk. Des Gucci? J'aime bien ce Des Gucci. C'est de ces grosses marques d'Elix, hein? Ah oui, c'est rien. Okay. Salut les mecs, ça va quoi? Ouais, tranquille. Bah déjà, je voulais vous remercier pour les petits bijoux que vous m'avez donné la dernière fois, quoi. C'était vraiment sympathique. Aucun souci. Merci beaucoup. Maintenant, les gars, là, vous vous rappelez de l'histoire de mon restaurant avec le gang des Japonais et tout? Ouais, bah du coup, ils m'ont bien confirmé que c'est les mecs du Crucial Fix qui les avaient missionnés, quoi, tu vois. Donc ils les avaient payés pour tabasser mon restaurant, donc j'ai pas pu ouvrir pendant 24 heures, mes employés étaient à la rue, quoi, c'était la merde. Du coup, moi, je les ai repayés, les Japonais, tu vois, qui m'ont reconfirmé que c'était bien eux. Et ces mecs-là, quand je les ai attrapés, ils ont tout nié, tu vois. Après, en même temps, je les ai pas menacés, moi, je suis un mec gentil, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des mecs en ville qui sont un peu moins gentils que moi, qui sont un peu plus énervés, quoi. Et j'ai pensé à vous. Donc s'il y a moyen de les choper, un ou deux têtes de chez eux, vous me le ramenez, comme ça je pourrais un petit peu lui poser des questions, on va dire, un peu plus pertinentes, quoi. Tu vois, le Kingpin, il est pas là ce soir. Nous, on va voir avec lui demain. Une décision comme ça, je vais pas te mentir, on peut pas la prendre sans le Kingpin. Donc on va en parler avec lui et on te redira. Vas-y, ça marche comme vous voulez. Ok, on fait comme ça. Et si on n'a pas l'accord du boss... Vas-y, on fait comme ça, les mecs. Merci en tout cas. Voilà. Vas-y, bien. Bonne soirée, les gars. Au revoir. Ouais. Ça va ou quoi, Richard? Ça va, et toi? Ouais, tranquille, je dérange pas? Non. Ouais. Eh, hey, dis-moi, t'es avec tes gars, là? Ouais, on a un petit rendez-vous, mais ouais, ils sont là. Vas-y, à moi que je passe pour parler business ou pas? Bah vas-y, là, il y a des gens, déjà, on en parle business, et après tu viens si tu veux, je te dis. Vas-y, ça marche, tu me dis quand je peux venir, vas-y. Ouais, ça marche, je t'envoie un message. Elle m'a dit, ouais, c'est bon, je pourrais passer, frère. Oh, c'est carré la moulin en esprit. Je vais demander aux familles, hein, Roya, s'ils veulent bien. C'est qui parle avec qui, là? Boca, je vais parler comme beaucoup. Beaucoup. T'as vu avec qui ils étaient, Roya, ou pas? Hein? Ils captent rien, Tobias. Le 1, t'es... Et ils captent rien, Tobias, voilà. Vous êtes pas prêts? Ouais, bah oui. C'est éclat. Ouais, ça va, quoi. Dis-moi, t'étais avec les Italiens, là? Bah ouais, quoi. Ah, vas-y, laisse tomber. C'est éclaté! Tous les jours, la maison. On a des voisins! Oh! Mais non, écrase-les! Bonsoir! Ouais, voisin, ça va ou quoi? Voisinage! Voisine? Voisine? Ça va quoi, voisine? Ça va, voisine? Bonsoir! Oui, ça Bonsoir. Va! Bonsoir! Attends, t'habites où? Enfin, vous habitez où? J'habite ici! Quoi? Mais non. Tu nous fais visiter ou pas? C'est chaleureux ici! Je suis à côté. Je suis le voisin d'à côté! Je suis le voisin d'à côté! Oh, pédin! Bon! Mais oui! Mais vous habitez où? Bah là, juste à côté, là, ici! Là, mais c'est ma maison! Quoi, juste en bas là? Oui, c'est ma maison là. Je te jure, c'est ma maison. Il fait quoi? Ah, il prend sa douche, il profite, c'est un rat. Mais tu sais, il y a une piscine hein, derrière. Vas-y, fais-moi visiter un peu ta maison. Non, j'ai pas le droit de faire rentrer des gens. Ah ouais, c'est pas ta maison en fait. Ah, c'est la maison de 28. C'est qui ça, 28? Ben Marek. Ben non.
Mais non. Ben Barek, il habite là. Oh, alors là, mon pote, on va tout saccager. Vas-y, j'arrive. Oui, t'as le numéro de Ben Barek? Non, je crois pas, Roya. Putain. Ah, merde. On aurait dit, ouais, on est chez toi, tu vas faire quoi et tout? Ouais, on est avec ta meuf, on la prend en otage et tout. Ok, j'appelle la police, Inch'Allah, il répond. Ouah, starfallah, la voiture. C'est quoi ça? C'est ma nouvelle voiture. Attends, mais t'es la meuf de Ben Barek, toi? Bah oui. Ah, mais c'est pas toi, comment tu t'appelles? Madi. T'es une flic, toi aussi? Ouais. C'est toi qu'on avait pris en otage, vite fait sur. La fête foraine. Vite fait. Vite fait, en vrai? Vite fait, ouais. Ouais, Chticha, ça va ou quoi? Oui, tu m'as appelé, Mathieu? Ouais, je t'ai appelé, ouais. Tu déranges pas? Bah, un peu, mais vas-y, c'est quoi? C'est une blague! Et dis-moi. T'es avec tes gars ou pas? C'est pour une mission. Ouais, on est avec eux, mais là, c'est une blague, Tobias? Vas-y, ça marche, bah vas-y, force. Vas-y, au pire, je t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, c'est nickel ça! Qu'est-ce qu'il y a? C'est parfait ça en vrai! Mais t'as conduit 100 mètres, c'est une blague? Ouais, mais après, c'est pas la quantité qui compte, hein. C'était un test de rapidité. Bon, ça, il y a une petite rayure ici, là, mais en bas, là, mais. Le pneu, ça, tu peux le retirer, là, enfin, le clou, là, ici. Après, oui, il y a un petit clou dans le pneu, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, m'a dit force. Il m'a dit force, en bas. Ginelle, le véhicule, Amsatek. Non, vraiment, Amsatek, il est vraiment joli, hein. Salut. À la frontière. Oh, il est béni, c'est retourné, OMG. Quoi? Regarde, avance. Yes, Ein Power. Mission réussie. Et le Ein a réussi. Les 300 de respect pour Light Power. Voilà. Il me casse les couilles, voilà. Il a cru cette émission dans GTA, wesh. Deux véhicules cassés en un. Bouge ta mère, toi. Oh, ça va se battre. Oh, allez, ça va se battre. Allez, hop, ça part de là. Hop là. Attends que je descende. Attends, oh, tu touches pas mon pote. Je te piétine. Voilà, tu vas coucher avec moi. Ça va quoi, les mecs? Non, ça va pas, je viens de faire un accident. Oh la merde, mais je vois ça, putain, il s'est passé quoi? Je sais pas, je me suis mangé un véhicule et je vais faire vol planer. Bah appelle les bénises. Hey, y'a le voisin, il m'a appelé. Quel voisin? Ben Barek. Quoi, il veut quoi? Il veut qu'on se tape? Il a dit à toi, tu mets plus les pieds dans mon jardin. Je viens tous les jours. Pourquoi, il va faire quoi? Il va faire quoi sinon? Je dis ça? Ouais. Vas-y. Montre. Allo, Nachitana! Oui, Roya! Eh bah, tu sais quoi, j'arrive tout de suite! Ah, mais putain! Vas-y, mais Roya! T'abuses! Roya, comment ça j'abuse? Ouais, c'est toi qui mets pas la ceinture, Roya! Dis-lui, on s'habille bien et puis on vient te casser la gueule, c'est bon ou pas? Vas-y! Ouais, espèce de fils de. On s'habille bien et on vient te casser la gueule, ok? Petit bâtard, dis-lui! Petit bâtard! Ta mère, on la connaît bien, de toute façon! Ta mère, on la connaît bien, de toute façon! Eh ouais, ta sœur aussi. Soirée, bah, passe une bonne soirée, fils des flics. Voilà, à bon entendeur. Il est fou lui ou quoi? Oh, t'as des beaux cheveux, Roya, en vérité. T'as vu? Tu vois le mannequin derrière toi, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non! Les peu de cheveux qui te restent. Mais non, mais Roya! Les peu de cheveux qui te restent, mais j'avais un gros déchevé. Un petit dégradé, Roya, sur mesure. Mais Roya, j'avais fait c'est un truc. C'est tout neuf, ça sort de l'œuf, Roya. Attention. J'avais fait un truc en Turquie. Non! Oh, c'est lisse. Alors, c'est lisse, Roya, c'est bien comme ça. Wow! C'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah, très bien. Changement de look depuis le Morito, ce que je vois. Bah ouais, bonsoir, voilà. Bah du coup, vous venez tous pour un costard? Non, c'est. On l'accompagne, en fait, il avait pas de voiture. Des accompagnateurs. Ah, d'accord. Ça va ou quoi, papy? Depuis le Vietnam? Bah, tu sais, au Vietnam, mon petit. J'ai combattu. Mais non, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai mal à la tête. Armé de raquettes. Attends, faut que je donne de l'eau, il a soif. Parce que les raquettes de ping-pong. Pour le rafraîchir. Et ben c'était. Mathieu, ça va? Tu vas mieux, Mathieu? Avant de devenir un sport. Et donc j'ai combattu. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vas-y papy, on se capte. De toute façon tu vas mourir vite. Ouais, en fait bah moi et mon ami on va un costume sur mesure. Moi je fais du M, d'accord? Mon ami et moi. Quoi, les couleurs qui vous intéressent un peu? Mafia marocaine. Du coup c'est rouge et vert. Rouge et vert, ouais. Allez bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai en rouge. Rouge et vert et bien chic. Ouais, ça, mais il faut un rouge pétant sa mère. Un rouge pétant, j'ai ouais, parce que ça c'est un rouge japonais. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien ça. Ça c'est du velours, j'aime bien. Oui, pas mal. Ouh, pas mal. Voilà, après faut juste changer la chemise et ça sera parfait. Voilà, c'est parfait. Tu veux ça? Tes babouches. Tes babouches, regarde, c'est parfait. Ça coûte combien ce genre de costume là? 610$. 610$. Faut que je fasse un prêt, j'arrive. Vas-y, c'est bon, c'est bon pour moi. Ah, pour toi, pas pour moi. Ah! Mais pourquoi? J'ai pas une envie, en vérité une envie. Mais non! Juste, non, franchement, juste pour le plaisir.
Bah allez, relève-toi, frère. Ouais, j'ai fait exprès. J'ai renommé avec tes initiales. Et bah voilà. Ouh, là, j'ai la propre classe. Vrai. Là, j'ai la classe, hein. Tu peux faire la même pour Tobias ? Si. Moi, je vais ressembler à un sapolo de Kinshasa. Fit, hein. Marocain. Ça flingue. Vas-y, nickel, tu gères. Si, bah voilà, j'espère que ça mais vous plaît. Mais c'est une fois chapeau. Mais parfait, il est fou. Je peux rentrer ou pas ? Oui, bien sûr, venez. Si jamais ça tourne au vinaigre, on les rafale. Qu'est-ce qu'il y a ? Et bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Mais c'est le lieutenant ? C'est ça. C'est moi quoi, lieutenant ? Monsieur Liam et Ben Barek. Ben Barek, Ben Barek, on est voisins. Imagine. Ah ouais, on est voisins. Imagine. Ben Barek, quoi, deux personnes attendent dans la felonne à droite ? Dans la felonne à droite, parce que c'est nos collègues. Imagine, il y a des mecs dans le coffre. Imagine, on est baisé. Imagine. Imagine, tu nous as pris en otage hier, imagine. Allez, tout le monde sort, tout le monde sort. Imagine, t'as récupéré mon bracelet, t'as voulu partir. Et imagine, Tobias, il a essayé de s'enfuir là. C'est faux. Imagine. Franchement, c'est faux, je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Hein. Après, on va voir ça avec mon collègue battu. Bien sûr, ouais, ça marche, on va voir ça ensemble. Oui, on va régler ça. Allez, sort. Bah. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Ben Barek, c'est pas un accueil pour des voisins quand même. Ouais, c'est pas un accueil pour des voisins, mais après moi j'attends quelques excuses quand même de votre part. C'est vrai, ça c'est vrai ça. Alors Ben Barek, j'attends aussi des excuses par rapport à l'attentat devant le commissariat. Aucune, laisse tomber. Hein. Oui. Pas de quoi vous parler. En soi, je vais vous expliquer, d'accord ? On a deux choix qui s'offrent à vous. Dites-moi. Le premier choix, on vous ramène au poste, on fait la procédure normale, on vous casse la tête, ok ? Hein ? Comment ça normal, on vous casse la tête ? Il y a des avis de recherche sur tous les deux. Hein. Des avis de recherche ? Des avis de recherche ? Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour agression sur agent du LSPD. Agression ? Mais à quel moment je t'ai tapé ? Comme ça ? Hier, quand vous nous avez pris en otage. C'est pas hier ! Avant-hier ! Avant-hier, j'étais pas là ! J'étais pas là ! Ouais. Mais non, mais faut être précis, il y a une baraque aussi. Quand vous avez sauté dans l'eau. Quoi ? Quoi ? Et ensuite, on a interpellé Tobias. Non, j'étais pas là avant-hier ! Mais non ! Mais à Ben Barak, là, il y a confusion, croyant. Non, j'étais pas là avant-hier, voilà, j'avais un contrôle de maths. Il y a vraiment confusion. Vous avez un alibi ? Bah, bien sûr. Bah, voilà, voilà, c'était pas nous. Quoi ? C'était pas Tobias. C'est pas... Voilà. Quoi ? Oui, voilà. Non, c'est vrai. Là, vous êtes trompé par contre. Il y a erreur. Non, je dis soit, j'étais pas là. Eh ouais. Il y a vraiment erreur. Hein. Il était en train de dormir. Ouais. On n'était pas là. On n'était pas là. Ça. Non, ça, ah non, c'était pas Tobias. Non, c'est vrai, c'était Kefta. Ah oui, Kefta, il m'a dit. Ah oui, je me rappelle. Il était avec un autre. Avec Brahim. Il était avec moi. Ah. Voilà, donc c'était vous, on est d'accord. Ouais, ça c'est. Bah, c'était moi qui t'avais braqué, oui. Après, pour le reste, d'accord. Je sais pas. Hein. Oh, c'est pas la première fois que ça arrive, on est d'accord. Ah, franchement, c'est la première fois. Hein. Non, c'est pas la première fois. C'était quand la première fois ? La fête foraine ? Bah, parce que c'était un jeu, il y avait le grand 8 et je suis un peu excité, il y avait du soleil. C'est vrai ? Bah, oui. Je t'ai même fait un bisou dans le cou, croyant. Okay. Te fais pas avoir. Mais le Ben Barek, chauffe. La ville, elle est grande. Il a dit chouf. Hein. Hey, c'est pas un hasard quand même si on est voisins toi et moi. On est fait pour être ensemble, Roya. C'est comme Tom et Jerry. Il y a sa meuf derrière au cas où. Sa femme, pardon. Ouais, je sais. J'ai. Comment elle m'a dit ? M'a dit oui. Ça va quoi, m'a dit tranquille ? Bah oui. Ouais. Moi je voulais vous inviter, boire un thé à la maison et tout, mais bon. Ouais, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de vous inviter de boire un thé. Regardez l'eau à ma droite là, comment elle est sale. C'est vrai vous avez vu l'eau comment elle est sale ? Ah, mais Roya, je t'avais dit. Bah, m'a dit. T'as mal choisi ta femme. Voilà, regarde. Pourquoi ? À cause d'un congolais. Pour ça. Voilà, non, pour lui. Mais non, c'est pas. C'est vrai que Tobias, t'abuses. Hein. Tu prends ta douche une fois par mois, Roya. Yeah. Ah, c'est un rat. Hein. Mais tu sais que Ben Barek, j'ai une maison là, mais j'ai une maison juste à côté aussi là-bas, hein, avec une piscine. Ça, c'est fou. Ça va, le multimilliardisme. Ouais, Roya, c'est pour ça que je t'ai dit, Roya, braquage, tout ça. Moi, à la base, c'est juste pour sauver Kefta, la vérité. Hein. Moi, c'était pas contre toi, Roya. En plus, c'était une arme à blanc et tout. Je suis pas raciste. Hein. 28, te fais pas avoir, je te jure que tu te fais pas avoir. On va délibérer, ok ? Mais Ben Barek, tu sais, ça fait longtemps que je le connais, c'est comme mon frère, wesh. Comment ça, te fais pas avoir ? C'est très comment bien ça, comment comme ça. Ouais, vous l'avez braqué. On est pas frère, hein. Mais j'ai dit, c'est pour ça que je dis comme. Comme mon frère. Même pas comme, hein. Bah on est comme des voisins, et tu pourras pas dire l'inverse. Comme des voisins, voilà, on est des voisins même. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'es marocain, je suis marocain, ouais, je suis bien sûr qu'on est frères. Ouais. On est frères de quotidien, hein. 07, 22 secondes. On va délibérer, d'accord ? Vas-y, ça marche. Vas-y. Ça délibère sans nous, la vie peut faire. Mais on est des merdes. Non, vous êtes des PNJ. On est des PNJ, des figurants. Bah m'a dit franchement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, s'il te plaît ?
Attends, quoi? S'il te plaît, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Regarde comment il est beau, gosse, dégradé, agressif, toi. Du charisme. Mathieu, il a. Oh, putain. Il a du charisme, Mathieu, regarde. Mathieu. Oui, c'est moi. La prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je viens te chercher chez toi. Bah chez oui. toi, c'est à côté de chez moi, ok? Bah voilà, ouais, c'est ça. Et tu sais ce qu'il y aura dans mes mains? Il y aura un mandat de perquisition. Donc, je vais supprimer les avis de recherche sur toi, Kefta. Oh, tu gères. Quoi? Mais c'est la dernière fois que vous braquez des agents du SPI, d'accord? Eh, c'est bon pour moi, Roya. Je veux être ton voisin, c'est moi. C'est sûr. Voilà, c'est bon pour moi. Non, Roya, ça va aller, non. Ça va aller, tranquille, on fait la paix, wesh, tranquille. Non, je. Non, on fait la paix, wesh, on fait la paix, tranquille. À la limite, t'en sers la main, moi je fais pas de bisous, d'accord? Vas-y, Roya, ça marche. Voilà. T'es difficile, hein, t'es Mathieu, un mec difficile. Faire la paix. Ouais, moi, ça manque d'affection, Mathieu, vas-y, on fait la paix. Non, fais la paix avec Maddy, toi. Fais la paix avec Maddy. Vas-y, vas-y. Ouais. Les mecs, vraiment, c'est trop bon, ok. Splash. Viens, Maddy, viens. On fait la paix, viens. Viens là. Oh, mais elle est où? T'inquiète. Elle l'a mangé, son bisou, elle l'a mangé. Bah, merci, en tout cas, c'est gentil, hein. Puis, bah, bienvenue à vous dans le quartier. Non, bienvenue à vous dans le quartier. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Allez, on vous laisse tranquille, au revoir. Oui, au revoir. Eh, comment je les kiffe, c'est trop gentil. C'est des beaux. Eh, franchement, pourquoi c'est des beaux. Je vais venir souvent pour faire la douche, elle est tiède l'eau. Roya, mais le hasard, Roya, pour que Ben Barek soit mon voisin, Roya. C'est vraiment fou quand même. Wallah, que j'étais pas au courant du tout. Merci. Je peux conduire. C'est quoi votre numéro, par favor? Bah, 07. C'est lui qui conduisait. 07 d'accordo, señorita. Eh, fais gaffe, soirée. C'est la meuf de Ben Barek, Roya. On drague pas, s'il te plaît. Hein. Non, je demande le numéro du matricule pour la facture. Eh, fais gaffe, Ben Barek, c'est mon voisin en plus, Roya. Non, claro, j'aime pas les blondes en plus. Ah bah, nickel alors. Désolé, señorita. Désolé, hein. Désolé, Maddy. Hein. Allô, monsieur Ranez. Ouais, ça va ou quoi? Bien, et vous? Ouais, tranquille, t'as essayé de m'appeler? Oui, c'est monsieur Camastra, l'appareil. Oui, oui, c'est Tom. Ah, c'est ça. Ça marche. Dites-moi, j'aimerais m'entretenir avec vous. Vous êtes disponible? Ouais, je suis disponible. Hein. Bah écoutez, où est-ce que vous voulez que je me déplace? Je t'envoie une adresse, ok? Bien, merci, à tout de suite. Vas-y, ça marche. Thanks. On est trop chaud, chocolat chaud, comme un volcan, on prend notre douche. Eh ouais, mon pote, t'inquiète, mais pas. On est trop chaud avec Tobias, la pétasse, la connasse. Eh ouais, mon pote, c'est un cafard. Avec mon pote, c'est un bâtard. Eh ouais, mon pote, c'est un clochard. Ok, ok, un Congolais qui boit du lait. Un Congolais qui boit du lait avec du Red Bull et du Chocapi dès le matin. Eh ouais, mon pote, on est trop chaud. Hein, c'est Ranez, à toi, Tobias. Avec Mathieu Ranez, un skip, c'est un Arby. Ouais. Il ouais. s'appelle Mathieu, et puis de la gueule. Il est moche, la gueule, lui, ici. What? Hey, il croit qu'il a des CV, il a pas de CV. Le bloquer, le signaler, le découper, le fracasser. Ouais, ouais, ouais. Découper, mais fracasser. Si je parle de son front. C'est pour le pardon. Morocco Mafia. Morocco Mafia on the beat. On the Bengala. On the Bengala. Bengala Production Present. Salak zit on the casino production present. Y'a moins que ça part en couille, frère. En fait, non. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir messieurs. C'est bien vous, monsieur Ranez. Oui, oui, attendez. Qu'est-ce qu'il veut? Attendez, ouais. Je C'est Tobias. Ça. Ah, bah rien, on discutait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de problème. Non, je sais pas, je voyais des véhicules légers par ici, c'est plutôt un coin recalé, c'est pour ça que... Ah non, on discutait de business entre président, entre PDG, c'est pour ça. D'accord, ok, très bien. En fait, on se concertait pour ouvrir un restaurant ici, justement, on va peut-être le racheter, donc... Ouais, on visite ces lieux, quoi. Ouais, bah oui, justement, il y a beaucoup de passages. Des glaces et tout, j'espère que vous ferez. Des glaces? Ouais, des glaces. Des donuts aussi. Donuts, c'est parfait. C'est une bonne idée, ouais. Je suis pas fan de donuts. Un petit Irish Coffee ou pas? Un quoi? Un Irish Coffee, si vous faites ça, alors là... Irish Coffee? Il y a de l'alcool? Ah, je fais pas d'alcool, désolé, moi. Après, peut-être que messieurs le feront, mais je sais pas. On est en train de se concerter là sur les menus. Bah écoutez, je vous laisse y aller, messieurs, alors. Et pas de problème, merci. Bonne soirée. Bah ça va vous, au revoir. Bonne soirée. Faites pas de bêtises, hein, messieurs. Et pourquoi on ferait des bêtises? Non, je sais pas, c'est un conseil que je vous donne, c'est tout. Bah non, vous inquiétez pas. Ouais, c'est notre daron ou quoi? Je pense parce qu'on est passé un peu vite devant leur voiture. Du coup, qui est Tom? À chaque fois, je vous confonds. Moi. D'accord, et ce monsieur, c'est du coup, c'est. Salvatore. Salvatore, ok, ça marche. Dites-moi, Tom. Enchanté. Enchanté. Monsieur Well. Monsieur Ranez. Ah oui, Tobias, je sais pas si vous le connaissez. Tobias, oui, monsieur qui s'est posé sur les toilettes la dernière fois. Exactement. Ouais, oui, voilà. Messieurs, visiblement, je me suis trompé sur vous. Vous considérez, il y a encore quelques jours, comme simple patron lambda, si je puis dire. Vous savez, les gens qui sont nés la cuillère en argent dans la bouche,
et qui ont repris l'entreprise familiale. Jacques, c'est pas votre cas. J'ai l'impression que vous êtes bien plus que ça de ce qu'on m'a dit. Alors on va éviter de tourner autour du pot pendant 15 ans, d'accord? Je suis le parrain de la famille Camastra, une mafia implantée aux États-Unis depuis 3 générations, tout droit venue de Sicile. C'est nous qui avons envoyé les Japonais fracasser le Burger Shot, et c'est nous également qui avons menacé l'un de vos employés. Et je pense que vous êtes largement assez intelligent pour comprendre pourquoi nous l'avons fait. Bah oui et non, en fait. La concurrence. En fait, ce que je comprends, c'est que... La concurrence, d'accord, mais ce que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi quand je vous ai convoqué plusieurs fois, que je vous ai appelé plusieurs fois, vous avez posé la question plusieurs fois, vous avez nié en bloc. C'est ça que je comprends pas. Justement, à ce moment-là, je pensais que vous étiez simplement un patron d'entreprise comme les autres qui allait aller voir la police. Et c'est d'ailleurs parce que les policiers m'avaient parlé d'une pseudo-plainte que j'ai tout de suite été plus calme. Parce que vous savez, la police, ils font pas dans la dentelle. Et vous avez payé combien les Japonais là? Je sais plus, 6 000 $ il me semble. 6 000 $? Vous avez payé combien pour venir casser le crucial fixe? Bah les gars, ça veut dire qu'en gros vous me devez 40 000 $. Comment ça? Bah je les ai payés 40 000 $. C'est pas vrai? Bien sûr que si. Ah oui d'accord, donc je m'étais bel et bien pas trompé sur vous quoi. Du coup on fait comment maintenant? C'est-à-dire que vous avez de grands moyens. Et surtout de grandes ambitions, tu sais, moi la haine c'est mon moteur. Hein. Et crois-moi que vous m'avez bien foutu la haine avec cette histoire là. Ah j'imagine, vous savez, c'était partiellement le but recherché. Mais la question maintenant c'est on fait comment? Ici on met 40 000 $. Ouais. Ça c'est vous qui vous êtes arrangé avec eux, c'est pas... Je les ai payés. Ouais mais pourquoi? Pourquoi je les ai payés 40 000 $? Pourquoi nous on les a payés 6 000 $? Mais ça je m'en fous en fait, vous les payez quand vous voulez, mais est-ce que de base... C'est parti du fait que vous avez voulu saccager mon restaurant. Ah oui, et pourquoi d'accord. On a voulu saccager votre restaurant? Mais ça, bah, je m'en fous, ça, vous avez vos trucs, c'est pour la concurrence, j'en sais rien, moi. Ah non. C'est parce qu'on a une première fois un camion du Burger Shot qui est venu se foutre devant notre magasin pour vendre ses produits, vous voyez. Mm-hmm. On lui a gentiment demandé de partir, il est jamais parti. Ensuite, donc j'ai été voir la responsable, je lui ai dit que j'étais pas du tout dans cette optique de concurrence déloyale, mais que si ça continuait, j'appellerais mes avocats. D'accord, mais au final, pourquoi est-ce que vous avez décidé de saccager mon... Mais parce que ça reste de la concurrence, vous dites, un camion. Parce qu'à 3 reprises, j'étais venu parler à la responsable, et qu'on avait toujours des personnes qui venaient faire une mauvaise pub au Crucial Fix, et voire même des braquages à main armée. Ah ouais, et alors? Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans, nous, par rapport au braquage? Bah c'est vous qui les avez missionnés. Comment ça? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me raconte avec les braquages missionnés? Quel braquage missionné? C'est pas vous qui avez missionné les... C'est pas nous du tout. J'ai pas que ça à foutre, moi, de missionner des gens pour braquer ton magasin. Ah bon? Ah bah oui. Il se revendiquait pour le Burger Shot. Mais je m'en bats les couilles qu'il se revendique même pour sa mère, je m'en fous. Moi, j'ai missionné personne, moi. Moi, si j'ai un truc à faire, je le fais moi-même. Bon, sauf pour votre restaurant éclaté. Moi, c'est juste, voilà, je voulais m'amuser avec les Japonais, voir si c'était des mecs de parole. Bah, apparemment, oui et non. Ils m'ont un peu roulé sur le prix, mais ils ont fait le taf. Après... D'accord, hein, parce que nous, les Marabunta, 2 jours avant, étaient venus nous proposer qu'on les paye justement pour saccager votre restaurant. Ouais, je sais. Ils voulaient saccager. On a refusé, et 2 jours après, on a des mecs des Marabunta qui viennent se proclamer, entre guillemets, Burger Shot, pour casser le restaurant, enfin, pour braquer le restaurant. N'importe quoi. Moi, je suis pas au courant de tout ça, je m'en bats les couilles, moi, c'est pas... Moi, j'ai juste missionné les Japonais Marabunta, ça, je les connais pas. Ah oui, effectivement. Et du coup, je reviens à la question, mes 40 000 $, ils sont où? Eh ben, on va les chercher à Marabunta. Marabunta? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les Marabunta, les 40 000 $? Bah, c'est eux qui ont semé la zizanie entre nos deux restaurants. Clairement pas, en fait. C'est vous qui avez missionné au début les Japonais, donc Marabunta n'a rien à voir là-dedans. On a missionné les Japonais parce que on a des Marabunta qui sont venus. Pfff, ça me chauffe, allez, déshabillez-vous là, c'est bon. Enlevez vos vêtements, jetez vos armes, vos radios, c'est parti, hop. Foutez-vous à bol, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. J'ai pas le temps. Déposez vos armes si vous en avez. Ah, j'ai pas le temps de discuter 10 ans, moi. Y compris chapeau, merci. Voilà, parfait. Il y en a un qui monte à l'arrière avec Tobias et un devant moi. Venez. Pas de bêtises, hein, pas de geste de boost, sinon je vous mets une balle dans le crâne. Quand on est trop gentil avec les gens, ça se passe jamais comme prévu. Moi, j'ai donné 40 000 $ pour votre magasin de merde, maintenant je vais les récupérer. C'est simple en fait. Vous braquez une banque, vous vendez de la drogue, je m'en bats les couilles. Vous faites le tapin, je m'en fous. Je veux mes 40 000 $. Ah oui, faut réfléchir, messieurs. Qu'on s'est bien fait comprendre. N'importe qui, je sais pas quoi. Et quand on fait quelque chose, on assume. Moi, ça fait une semaine, je vous cours après, vous assumez pas, maintenant vous allez devoir assumer, c'est tout. Moi, je veux mes 40 000 $. D'accord. On fait comment maintenant, du coup? Eh ben, écoutez, on va trouver un terrain d'entente, hein. Ouais, on va trouver un terrain, ouais, bah, vas-y, je t'écoute, vas-y, première proposition. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs, à part de l'argent? Qu'est-ce que je veux à part de l'argent? Bah, qu'est-ce que tu peux me proposer, vas-y? Je peux proposer des armes. Ouais, des armes, ouais, quoi comme arme? Blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, ouais, ça on a déjà, ok. Des Beretta. Des Beretta, ok, ça on a déjà. Des scorpions. Ça vaut combien, ça, les scorpions, ça? 50 000 $. 50 000 $? Ouais.
Eh ben voilà, on a trouvé un terrain d'entente. C'est parfait ça. T'en as un? T'en as un sur chez toi ou je sais pas où est-ce que vous les foutez? Non, mais je vais en procurer. Ah ouais? Ouais. C'est qui ton fournisseur? Je peux pas vous donner son nom. Non mais je t'ai pas demandé son nom, mais je veux dire comment il les trouve quoi. Est-ce qu'il est d'ici Ah, c'est des armes tombées du camion. Des armes tombées du camion? Ouais. C'est une info sûre là ou t'essayes de me rouler? Ouais, ouais, non, c'est une info sûre. Enfin, attention à ce que tu dis, hein. Ok, ok, ok. Quoi d'autre encore? Je peux vous vendre de la cam, mais je suis pas sûr que vous êtes intéressé vu. C'est quoi comme cam, c'est quoi? C'est toujours intéressant. La mettre. Ça se vend combien ça? Ça se vend entre 180 et 220 dollars. Pas mal, pas mal, pas mal. Et c'est quoi, vous avez un labo? Vous la ramenez? C'est quoi le truc? On a quelques chimistes. Ok, ok, ok. Parce qu'en fait, ça m'intéresse. 50 000 dollars, c'est ça? C'est ça. Ben voilà, je pense que c'est bon là. Tu veux me l'avoir pour quoi celui-là? Aucune dépense, faut que je demande à mon fournisseur. Ton fournisseur? Ok, ok. Et t'as saccagé d'autres magasins en ville ou pas? Vas-y, descendez. Non. Ah, juste le mien, je suis le résélu quoi. Bon, les gars, ça va être simple. Hein. Moi, comme je dis, je veux 40 000 dollars. Ton scorpion, je vais me renseigner, parce que ça se trouve, ça coûte même pas 50 000, tu vas me rouler. Donc, je vais me renseigner. Si jamais il coûte pas 50 000 dollars, t'es mort. D'accord. C'est bon ou pas? C'est bon. Ok, c'est quoi ton nom déjà? Tom. Tom, et toi, c'est quoi? Salvatore. Les gars, moi, je vous le dis, hein. C'est la dernière fois que j'assois avec vous. C'est la dernière fois que j'apprends que vous avez missionné des mecs pour tabasser mon restaurant ou mes employés, je sais pas quoi. C'est clair ou pas? C'est très clair, c'est très clair. Ok, ok, parfait, parfait. Bah tu me recontactes du coup pour le Scorpio là. Tu peux me l'avoir pour quand du coup? Je sais rien, je pense que pour demain c'est bon. Pour demain? Pour après-demain au maximum. Après-demain? Vas-y, je vous redonne votre téléphone là. Vous appelez un taxi, vous rentrez chez vous. Y'a pas de problème. Vas-y les gars, force. Y'a pas de force. Vous allez voir, lui il a des trucs, moi je suis pire, moi je suis honte moi. Belek, à tout moment je vous rafale. Vas-y, montre. Ah voilà, Belek. Ouais, j'ai pas envie de parler 10 ans moi avec des gens, blablabla. Voilà, dealer, rafale, pa. Voilà, donne-moi mon argent, Froya, et casse-toi. Faut qu'on trouve les Marabunta du coup. Ah ouais, ah oui, c'est. Ils ont voulu foutre la merde là, je sais pas quoi là. Tiens, on passe au barrios à côté. Ça va? Ça va, et vous, monsieur? Ah voilà, conduite, Froya, bonne chance. Je te parie que je te bats la course, c'est bon pas? Vas-y, ligne droite ou. Bah bien sûr, ligne droite. Vas-y, tout droit. Ouais, tout droit. Vas-y, à 3. Celui qui s'arrête, c'est une. Bah, attends, mais Roya, celui qui s'arrête, je vais te fumer, Roya. Celui que je m'arrête. Tu vas pas me fumer. Vas-y, 1, 2, 3. Mais il est fou. Il est malade. Il va me fumer de quoi, wesh. C'est ouf. Un deck gigoulard. Ouf. C'est bon ou pas? Non mais Roya, t'allais te gommer, Nous, on était sur l'optique où t'allais te bouffer. Eh mais t'es trop libre. Mais je crois que je sais pas conduire, Roya ou quoi? J'ai cru que tu savais pas conduire. Mais t'es un baiser ou quoi, tu vois? T'es un ouf. Roya, les meufs, ça en est où là? Les meufs? Ouais. Il y a pas, wesh. Attends, je te passe le numéro de Sato, c'est une japonaise. Oh, j'appelle direct. C'est une michto, Roya. J'appelle de suite. Oui, bonsoir, allô, comment ça va? T'es qui? Enchanté, je m'appelle Tobias, je suis un grand investisseur japonais. Entendez, monsieur, que peut-être faire pour ouais, vous ouais, ouais. Et donc, je recherche actuellement une demoiselle pour travailler avec moi dans une entreprise. Voilà. Une entreprise de quoi, monsieur? C'est une entreprise où on gère des millions. En gros, on fait de la crypto-monnaie, voilà. D'accord, il faut imprimer des billets. Exactement, oui, voilà. Oh bah, tu perds, justement, c'est tout ce que tu dois faire, imprimer, trier, voler des billets. Non, alors nous on vole pas, on fabrique effectivement, mais voilà. Ouais, non, fabriquer, tu voulais dire. Voilà, exactement. Bah ouais, oui, monsieur. T'es sûr de pas, bébé? T'as combien le salaire? Alors, le salaire, c'est 2000 dollars par mois. Par mois? Oui. Et comment t'es par mois et pas par jour, monsieur? Vous voulez me la faire, Teta? Non, mais par jour, oui, voilà, par jour. Ouais, t'en marte pas, t'es de l'arnaque, Teta, t'as une caméra cassée. Madame. T'es tellement arnaqué. Madame, à part ton cul, y'a rien qui est cassé, madame. Quoi? Comment t'as mon cul, il est caté? La lettre Q. La lettre Q. Ah, la lettre. Ah, excusez-moi, t'as encore du mal de te pas... De mal de te pas bilingue. Bilingue. Oui, voilà. Bon, alors, monsieur, le pote, t'as pour voir? Alors oui, la promouvoir, oui, voilà. Et y a quoi? Y a un entretien en botte? Y a quoi? Y a... Aïe! Oui, y a un cocktail dénatoire? Oui, effectivement, il y en a, oui. Il y a un jugement dernier, oui. Un jugement dernier? Comment t'as? Attendez, dois t'en mourir. Bon, comment bon, t'as? Attends, on doit avoir un boulot qui paye bien. Venez. On vous gueule. Venez, venez au bar là-haut dans le nord à côté venez de la prison. Au bar là-haut dans le nord à côté de la prison. Bah là, t'es pas le temps, t'es en train de. Allez, non, t'es en train de nourrir ma grand-mère. Non, tant pis, tu vas rater l'eau. Bah tant pis Mathieu, hein, de m'occuper de ma grand-mère, elle a... Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, seigneur. Vous êtes ouvert, c'est pour une réparation? Si, claro, on est ouvert. On est ouvert, monsieur. Bah je vous laisse...
Ouais, allez-y. Je vais réparer la voiture, yo. Ouais, s'il te plaît, ouais. Yo, carrément, yo. Je vais peut-être changer la couleur. Il est nickel. Merci. Rien du tout. Bon. Oh putain. Super. Oh, votre ami, c'est pas conduire, hein. Mais je crois surtout qu'il est mort, c'est con. Ah. Yo, c'est vrai aussi. Yo, qui est mort, yo? Ouais, c'est pas une grande perte, hein, franchement. Réveille-toi, croyant. Oh, yeah. Réveille-toi. Oui, elle l'ambulance, elle arrive. L'ambulance, voilà. Elle arrive, l'ambulance, croyant. Je te fais un massage, Je te fais un massage cardiaque, croyant. Là, je piétine ton cœur. Non, mais de toute façon, là, yo, je suis en service pour l'instant, donc ça va. Il y a le cadavre de mon collègue, en dessous du camion. En dessous du camion, yo, j'ai pas vu, yo, putain. Oh, putain. Oh, c'est pas grave. Oh putain, bah, oh, c'est pas grave. J'aurais dû vous demander votre permis, hein. Désolé. Yo, faut aller où, madame? T'es bien, ça va? Reste fort, reste fort, je te fais des massages. Je te fais des massages en attendant, okay, okay. C'est bon, ils sont là. C'est où? Putain! Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Je ne sais pas. Je vraiment désolé, le monsieur est grave mal à la tête, c'est pas ça. C'est Sophie? Oh, salut. Comment quoi, Sophie? Mais c'est qui? Bah, c'est Mathieu, wesh. Eh, salut, ça, ça va, monsieur? Ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Désolé, putain. Désolé. Putain. Oh la vache. Oh, faites pas semblant. Qu'est-ce que c'est, maintenant? Oh, ouais, t'as vu comment tu m'as percuté, wesh? Oh, genou. Au genou? Ah, je me. Chah! Oh, j'en étais sûr. Oh, ça m'a fait plaisir. La facture, la facture. C'est fait. Ah, oui, pardon, je l'ai pas fait. Oh, toi, tu m'as percuté, wesh, toi, t'abuses, wesh, t'es sérieux là? Wesh, Apu, non, y'a pas de braquet, wesh, toujours y'a pas de braquet. Non, non, ouais, t'inquiète. Faut jamais jurer quand je suis là. Oh non, t'abuses, wesh. Viens, on va fumer des joints, frère. On va vendre des joints, j'en ai 3. 135 à écouler. Viens, on va fumer du porc et manger de la drogue. Quoi? Je te donne le numéro d'une balasse. Elle est bien? Bah, le mec, il m'a dit, oh, si tu veux, tu peux la draguer, hein, je m'en fous. Hein. Ah ouais? Elle propose de te voir pour acheter. Dis-moi juste te voir juste parce que tu l'aimes bien, t'as entendu parler d'elle et tout. Tu la baratines, frère. Ça va ou quoi, bébé? C'est qui? C'est Tisha? Ouais, c'est moi. Ouais, je me présente, en fait, je m'appelle Tobias. Oh putain, non, ne dis pas que... Ne dis pas que c'est celui de l'autre jour, là. Hein? Non. Ah non, 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 non. Et je voulais savoir, ça te dit qu'on fasse un date, ensemble? Eh, vas-y, moi, j'ai pas que ça qu'à faire, là, je suis en train de travailler au Bénis, tu me déranges un peu. T'as qu'à passer au Bénis, si tu veux. Mais je te paye le temps que t'auras perdu, l'argent que t'auras perdu, si tu veux. Ouais, ouais, bien sûr, Tobias. Allez, big up. C'est ce qu'il te reste à faire, regarde, maintenant. T'as tué? Mais non, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle est au prise d'otage. Non, voilà. elle est au Belize. Tu vas la voir au Belize, rien. On va la prendre en otage, non? Tu vas la. Non, tu vas la faire sortir et tu vas la faire monter. Tu vas trouver des arguments. Tu vas trouver des arguments, Roya. Sans haine, ni arme, ni violence, Roya. Tiens, elle a fait un peu la tigresse, on est d'accord? Ouais, directement la grise. C'est bon signe, c'est bon signe. Bah, Roya. C'est trop bien ce que je connais. Bah, Roya, ça veut dire que c'est pas une meuf facile. Tu préfères une meuf que tu dis oui direct? Bah, oui. Un mec bizarre. Mais toi, tu cherches compliqué, Roya, facile. Mais non, Roya, bizarre. Quand tu cherches une meuf, tu cherches pas une meuf facile, tu cherches une meuf qui a du répondant, qui a du caractère, qui se laisse pas faire. Ah non, moi je m'en fous, hein. Eh, tu donnes tout ce que t'as, Roya, pour la draguer, d'accord? Je donne tout. Ah, Roya, mission respect, ou je sais pas quoi, là, des trucs de GTA, hein. Ah, ok, vas-y. Non, Shitana. Shitana. Non, Shitana. Donne tout, elle est là, Roya, elle est là. Allez, donne tout. Quoi? Je dépose, vas-y. Radio. Bon, on va peut-être y aller du coup. Ouais, c'est une bonne idée ça. Longtemps. Ça va, Tichin? Mais c'est pas elle, Roya. Oh merde. C'est qui? C'est la meuf qui est en train de travailler là, en tenue de Belize là. Mais c'est un bonhomme, voilà, elle a pas de cheveux. C'est pas un bonhomme, frérot, vas-y. Mais la tête d'homme, elle a pas de cheveux. Arrête. Ouais, dis-moi. Salut, ça va? Salut, c'est pour une petite réparation, s'il te plaît. Ouais, Renes, vas-y, c'est bon. Hey, ça va, Tichin? Ouais, tranquillement. C'est quoi ce lutin là? C'est Tobias? Ouais. T'es chaud, t'inquiète, c'est rapide. On vient, on fait des queutrues et tout, on bouge, après je te redépose. Vas-y, c'est viens. Attends, écoute-moi bien, mec. Elle a un mec, je te rappelle. On met les points sur les i, on met d'abord les barres sur les i. Elle a un mec. Elle a un mec. Elle a deux mecs. Eh, lutin. Elle a dit qu'elle a personne. Lutin. Je jure qu'elle a un mec, elle te. Oh. Elle a un mec. Elle veut faire un trouble. Ouais, elle a un mec. CG. Ok, viens. Elle lutin, elle veut une deuxième kishta et je te la laisse. Voilà. Ah, moi aussi, je veux une kishta. C'est bon, t-shirt. Une kishta. Un million, c'est la dot. C'est bon. Allez, viens, madame. Je peux mettre une unicorn dans la salle derrière. Vas-y, Mathieu, viens. Lâche pas l'affaire. Vas-y, viens. C'est bon, braque là, fais la montre dans la voiture, nique sa mère. Allez, bon, tu viens. Allez.
Allez, viens. Fais-la monter, vas-y. Allez, viens. J'ai pas envie d'être méchant ici, là. Voilà, maintenant, des caméras, elles m'ont vu et tout. Vas-y, viens. Allez, viens. C'est elle, ta meuf? Vas-y. C'est ma meuf. Vas-y, t'es charmante. Viens là, Cobra Dio, viens. Cobra Dio, je te conseille. Viens, je vais te flinguer. Viens, je vais te flinguer là. Vas-y, je vais te protéger, Tisha. Monte derrière. Monte derrière, je te flingue. Vas-y, roule, Mathieu. C'est ta meuf, du coup, c'est ta meuf. Ouais, c'est ma meuf. Eh, vas-y, Tisha, félicitations. Oh, elle est pas consentante. Elle est pas consentante. Du coup, tu veux faire quoi, Tobias? Parce que moi, il m'a dit c'était un date et tout, alors moi, je sais pas. On va aller à la fête foraine. À la fête. Oh non, mais c'est trop classique, croyez ça. Ah ouais? Tu veux manger bien de faire ce parachute? Tu veux... Non, tu veux pas un lieu plus romantique? Je t'emmène dans un lieu romantique, c'est bon par Roya? Vas-y, Roya. Fais-moi confiance, Roya. Je te fais malheureusement confiance. Fais-moi confiance, Roya. Bah, Tisha, du coup, c'est quoi que tu préfères chez Tobias, Zama? Ce que tu préfères le plus? Je le connais même pas, je connais rien de. Bah oui, mais parce que je connais pas encore, parce que tu connais pas encore, mais. Mais on dirait un vieux. Mais si, quoi? Un vieux. C'est pas, on dirait. Ça m'intéresse pas, putain. Oh, c'est tout dans le quartier, bordel. Bah, quand je t'écoute. Dégueulasse. Bonsoir. Comme ça, dégueulasse? Non, je parlais pas à vous. C'est dégueulasse mon restaurant, c'est ça? Non, je parle à un monsieur qui parlait de caca dans. On va le retrouver, lui. Ah, d'accord, ok. On attend là, ils sont où les serveurs là? C'est comme ça, on attend, que tu parles à ta mère ou quoi? Comment ça, on attend, wesh? C'est qui lui, on va le retrouver, vas-y, viens. 4 fois peut-être que je viens, que c'est ouvert et que j'arrive et y'a personne. Bah ouais, alors, t'es pas la reine de la ville, tu dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir? Peut-être qu'on travaille, nous. Bah il est là, votre travail. Bah on fait des livraisons, madame. Faut descendre un peu. Bonsoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un disponible pour venir faire des burgers, s'il vous plaît? Dans 15 minutes. Ils sont malades, les clients, ici, wesh. Du coup, alors, Tisha, on reprend depuis le début, du coup. Comment est-ce que t'as connu Tobias pour la première fois? Mais je le connais pas, putain, je l'ai vu qu'une seule fois. Comment tu le connais pas? Tu mens. Et du coup, c'est quoi qui t'a frappé la première fois que tu l'as vu, quoi? Qu'est-ce qui t'a tapé à l'œil? Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil, Zama? Le truc qui t'a dit « Waouh, faut que je le revoie, quoi. » Rien. Mais c'est peut-être déjà bon signe. Ça se trouve, c'est tout en fait. Des fois, on confond souvent tout et rien. Ça se trouve, c'est tout en fait. Et en fait, tout était au même niveau. Donc en fait, y a rien qui s'est démarqué par rapport au reste. T'as capté? Exactement. Voilà, là, c'est super romantique. Là, y a un petit jardin derrière et tout. Ouais, super. On est tous différents, comme tout le monde. Là, y a un super jardin là. Laisse tomber. Hein. En plus, les gens, ils sont super gentils. Ils sont calmes de fou ici. Vas-y, du coup, je vous laisse. Je vous laisse discuter. Non, on va les deux. Ça va se marier directement. Viens. Quoi? Non, oui, on va se marier. Ah, c'est vrai, c'est le mariage. Bon, bah, c'est vas-y. C'est qu'on se connaît et tout, vas-y. Vas-y. Attends, je mets le costume. Vas-y, Faut pas me faire ça, putain, Mathieu. Mais quoi? Mais c'est pas moi qui t'ai mis en date, c'est toi qui t'as accepté le date. Allez, non, viens. Mais vraiment pas, putain. T'as pas accepté? Sérieux? Mais non. Allez, viens. J'ai vraiment pas accepté, non. C'est pas grave. Eh, tu pourras désinstaller le mariage, c'est pas grave. C'est un DLC, tu peux le désinstaller. La bague, je l'enlèverai, je le jetterai. Attends, bah, du coup, je fais le prêtre. Non, je vais. Attends. Ah, tu veux rentabiliser? Vas-y. Non, mariez-vous tous les deux. Attends, c'est pas ça le bail, wesh. Vas-y, je vais prêtre. Attends. Mais t'es mal à tenue. T'es mal à tenue. Bonsoir. Tisha, t'as mal à tenue. Sérieux? Enfin, à votre gauche. Mais si, je suis bien comme ça. Mademoiselle Pétécha. À droite. Bah non. Ça va en the casino. C'est moi. Voulez-vous prendre pour épouse Madame Pétécha? Monsieur Rennes. Là, on joue à ni oui ni non. Oui. Vas-y, ouais, je veux bien, ouais, ça a l'air ouf de bien, ouais, ça a l'air ouf, ouais. C'est un bon projet, ça. Très bien. Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Rennes? Non, je refuse. Putain, pourquoi j'ai dit non? Mais je refuse. Vous Ouais. GG, vous avez réussi. Bienvenue dans l'islam. Dans le mariage, pardon. GG. Du coup, on est mariés, là? Oui. Oh la vache, c'est tellement naturel. Vas-y, c'est à mon tour. Vas-y. Bah au pire... Putain, j'ai plusieurs mecs, c'est ça? Mesdames et messieurs... Lève les mains. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour fêter l'union, évidemment consentie, de A à Z, de deux êtres humains qui s'aiment à la vie, à la mort. Évidemment, je parle de Tobias Well et de Lopotisha. Je suis très heureux aujourd'hui. Tobias Well, voulez-vous prendre pour épouse Tisha, ici présente? Oui, je l'aime. Tisha,
Voulez-vous prendre pour époux congolais Tobias Well? Ouais. Je vous déclare donc marié. Vous pouvez vous embrasser. Allez. Oh merde. Non. Merde. Voilà, je m'avais exprès. Oh putain de merde. Non, Mathieu. Ah, j'appelle, t'inquiète. Non, pourquoi je suis nul comme ça? Non, j'ai tué ma femme. C'est chaud, hein, Roya. J'ai appelé. Roya. Oh là, c'est chaud. Non, c'est abusé, là. Bah voilà, regarde, maintenant, elle est morte. Bah ouais. Pourquoi? On va se marier ensemble? Bah non, t'es fou, quoi. Putain. Oh, la phrase. Bah attends, je vais l'incarcérer un peu. Non, il y a l'ambulance qui arrive, non. Roya. L'ambulance qui arrive, Roya. Est-ce que je peux l'incarcérer, si tu veux? Vas-y. Attends, je vais sortir, je vais voir s'ils arrivent. Reste à côté d'elle. Fais-lui le premier soin, Roya, les premiers soins. Prépare le corbillard. Bonsoir, monsieur, que se passe-t-il? Bonsoir. C'est vous qui nous avez fait un appel? Ah, bonsoir, du coup. Oui, effectivement, il y a eu un malaise pendant un mariage. Venez, c'est dans l'église. Ah, c'est un problème. Ouais, la mariée qui a fait un malaise, ouais. C'est ici. Elle est tombée sous le charme. Au mariage. Ils sont où, les invités? Ils ont fui. C'est la madame du Bénise. Oui, c'était chien, c'est ma femme. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Cette histoire, Roya, ça reste entre nous, d'accord? Faut que personne ne sache ce qui s'est passé, Roya. Oui, personne. C'est arrivé, madame. Si jamais Roya est pas là, s'ils apprennent ça, Roya, on est mort. Non, faut pas dire au balas. Faut pas dire au balas, Roya, sinon on est baisé. Hein. Mais là, on est mariés, c'est sûr. Hein. Ah bah, à la vie, à la mort, bah surtout la mort, hein, Roya. Après, la vie, ah, voilà, c'est quoi? Ouais, la vie, Belek. C'est moi-même. D'accord. Allô? Ouais. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui l'a tiré dessus, là? C'est Tobias. On est actuellement à l'église, il l'a fumé. On arrive. Vas-y. Vas-y, à toutes. Vas-y, dépêche-toi. Monsieur, vous pouvez attendre juste un petit instant, s'il vous plaît, avant de l'embarquer? Non, il est alors, ça va pas être possible. Bah, il y a ses frères, en fait, qui arrivent, de leur dire un truc, je sais pas quoi, un truc super important. Oh là! Vous leur dites de venir directement à l'hôpital. Un truc super important, vraiment. Ça va, bébé. On va voir l'hôpital, mais ça, là, on va voir quand même faire un examen, vérifier qu'il n'y a pas de traumatisme crânien, si un œdème cérébral. Toujours des individus à l'intérieur? Bonjour. Ah bah bonjour. Oui, c'est les deux là du coup. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Well et Monsieur Hanez, oui. C'est bien ça? C'est bien oui, nous. C'est bien nous, oui. Parfait, vous allez tous les deux aller vous mettre face au mur, monsieur, s'il vous plaît. Mais pour quelle raison? Voilà. Parce que je vous le demande, Monsieur Hanez. Oui, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'interpellez? Je vais poser ça dans le coffre, vas-y, explique plus ce qui se passe. Moi, je suis très simple. Oh! Mais attends, mais il course avec une hache, je rêve! Oula, mon dieu. Waouh! Aïe! Au secours! Monsieur. Bon, du coup, oui. Alors, je reprends. Mais c'est pas vas-y, 05. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? C'est un peu compliqué. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Moi, je sais, c'est un mariage et on veut m'interpeller, c'est quoi le délire? Mais justement, on a appris qu'apparemment c'est un mariage forcé par monsieur Tobias. Mais n'importe quoi. En tout cas, moi, je suis pas. C'est vrai cette histoire. Mais moi, en tout cas, je suis pas au courant. Moi, Tobias m'a dit, écoute, j'ai un date, tu peux faire mon chauffeur. J'ai dit, d'accord, pas de soucis. Bah oui, je suis honnête. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire le prêtre? Je dis, moi, Roya, là-bas, je suis musulman. Mais il dit, t'inquiète, ça va faire la même chose. Vas-y, tranquille. Du coup, bah, j'ai fait la cérémonie. Et voilà, tout simplement. Après, apparemment, bah, ses frères, eux, n'étaient pas consentants parce que Tobias n'est pas un balas. Voilà. Donc, ça a créé des tensions, je pense, entre Tisha et puis le reste de ses frères et sœurs, quoi. Et voilà pourquoi il le course maintenant avec une hache et un quad. Ça va partir au couille, à mon avis. D'accord, ouais. Regardez. Oh, mais c'est magnifique. Oh, j'aime beaucoup ce qu'il propose. D'accord, bon, juste par sécurité, on va faire une palpation de sécurité. Ouais, bien sûr. Puis fin de l'histoire, d'accord? D'accord. Mais pourquoi une palpation? C'est quoi le rapport? C'est le capitaine qui nous a ordonné de faire des palpations, que ce soit sur les prises d'otages, les flicas, les bijouteries, etc. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec une bijouterie et une flica. On est un mariage, on nous a signalé une prise d'otage pour un mariage forcé. Mais il y a pas de prise d'otage. On fait pas de prise d'otage dans une église, quand même. C'est les gens du Bénis qui nous. Mais monsieur, mais faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Vous croyez vraiment qu'on va faire une prise d'otage dans une? Ils sont où les otages? Moi, je suis policier. Je fais juste des suppositions, c'est tout, fin de l'histoire, je fais juste mais mon boulot. Oui, mais faut réfléchir aussi, monsieur. Et si vous avez un objet contendant, vous me le dites, et puis fin de l'histoire, on en parle plus. Bon, la vérité, j'ai un coton. Voilà, si vous avez un couteau, nickel, bah voilà. Parce qu'ils savent pas faire leur travail, je vais travailler à leur place. Bon, du coup, messieurs, la raison pour laquelle nous, on est là, c'est qu'on a... Vous nous avez été signalés comme des individus qui avaient pris quelqu'un en otage, d'accord? Quoi? C'est une blague ou... Non, c'est pas une blague. Non, monsieur, sinon on serait pas là. Mais comment ça? La certaine Tisha. Oui, mais c'est un mariage, monsieur, il n'y a pas d'otage. Non, vous l'avez menacé avec un 9mm et vous l'avez obligé à se marier. Vous êtes venu là. Un 9mm, carrément, le calibre et tout. Mais attends, quand vous dites on, c'est qui? C'est vous et monsieur. Merci. Bah, clairement pas. Vous pouvez regarder les caméras, vous êtes ravissante. Monsieur. Vous avez de 6 yeux. Si. Vous appelez comment? Wesh, c'est bon, tranquille, wesh. C'est ta meuf ou quoi? Non. Starfallah. Non. Starfallah. Eh, Buffalo, passe au Burger Shot, je te donnerai des menus et tout, t'inquiète.
Vous la tirez avec la bouffe là, c'est pas cool hein. Et bah c'est comme les femmes hein. Bah non. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qui se passe ici du coup, monsieur? Bah j'en sais rien, j'attends, moi on je va sais suivre, pas. On va suivre ce, monsieur Well, nous. C'est la suite, vous pouvez vous occuper de monsieur Ranez. Non. Moi je suis venu pour un mariage et bah je sais pas. Hein. Les balas sont venus, ils ont mis parce un couplage qu'on aille, à mon... Faut qu'on suive monsieur Well, là, à mon collègue et tout. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Je rentre chez moi, je me suis. Bah du coup, monsieur, on va devoir vous palper rapidement si ça vous dérange pas. Et on va vous laisser partir. Ouais, j'ai déjà été palpé. On va le refaire. Bah allez-y. 20 pour ouais. 68. Mais il a dit oui pour le repalper. Hein. Je veux que ce soit une meuf qui me repalpe pas. Hein. Sinon je refuse. On peut y aller du coup, on va vous laisser monsieur. Oui. Ouais, ça marche, ça marche. Bah merci en tout cas de faire de votre boulot, c'est cool. Ça fait plaisir. Au revoir. Pas de souci. Et attention, elle m'a dit elle est pas célibataire, Roya, je te vois toi. Non non non, vous inquiétez pas, je sais que je connais son mari, ouais. Vous inquiétez pas. Bah vas-y, laisse-la passer devant, la galanterie. Oui, tout ça pour regarder son cul. Oh le bâtard. Non non non, n'importe quoi. Vas-y, hey, Buffalo, mon gars, on s'attrape. T'es bien, ça? Oui. T'es où? J'emmène le médecin à l'hôpital pour qu'il me soigne. Tu emmènes le médecin à l'hôpital? Wallah. Voilà. Ouais, c'est dit, j'étais avec les flics, désolé. Dis-moi, ouais. Si je te donne 10K. Ouais. Là, ce soir, et tu me ramènes sa tête, c'est bon ou pas? T'es bien, ça? Ouais, je t'envoie une position. Mais Roya, mais je te le ramène gratuitement, t'es sérieux, là? Bah vas-y, je t'envoie une pause et viens avec lui. Là, il est à l'hôpital, Roya, parce qu'il s'est pris un coup de hache. Ah ouais? Bah ouais, il y a un dégât. Bah un dégât. Ah bah voilà, il mérite. Bah ça c'est y est, vous l'avez, c'est bon, vous l'avez snatché, c'est bon. Non mais je te donne 10K, tu me le ramènes. On a je des comptes à régler. Ah vas-y, je te le ramène gratuitement, c'est bon ou pas? Bah vas-y, carré. Vas-y, à toute. Eh, j'ai un date, Roya, je t'amène avec moi après, Roya. T'as un date? J'ai dragué une meuf là, une Bella, je sais pas quoi là, une flic. Ah ouais? T'inquiète même pas, t'es où là? Là, je suis en train de me faire palper par les médecins et me soigner. Je te jure, j'ai rien. Les flics qui m'attendent, Roya. T'as dit quoi? Les flics qui t'attendent? Ouais, je te vois en bas, moi je suis tout en haut, sur le toit. Mais pourquoi t'es sur le toit? Ouais, je te vois. Tu vois mes pieds qui dépassent? Oui, je te vois, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il me cherche. Pourquoi il cherche? Ouais, je vais sauter. Mais pourquoi? De l'église. Roya, saute, je te rattrape. Je vois là, vas-y, viens en bas. Je vais essayer quoi? Vas-y, viens en bas. Non, tu vas mourir, Roya, c'est sûr. Je sais, il y a un hélicoptère, je peux le prendre ou pas? T'es malade ou quoi toi? Mathieu roule. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache! Ils veulent m'arrêter! Mais laisse-toi faire! Well, montez, non. On va vous expliquer tout ça ou pas. Allez-y, montez dans le véhicule. Raciste! Mais Roya, ils vont rien te faire, tranquille! Je vois pas que je vais travailler, Roya, je vais travailler! Salut! C'est Curtis? Ouais! Toujours pissé, Roya? Ah, peut-être que oui, peut-être que non! Roya, tu me réponds, t'as une augmentation! Ouais, toujours pissé! Putain, j'en étais sûr! J'en étais sûr! Putain, tu veux que je trouve une meuf? Non, c'est bon, t'inquiète, il me débrouille tout seul. Non, mais c'est bon! T'inquiète, Roya, il suffit de demander, Roya. Bonsoir, messieurs! Bonsoir. Bienvenue au Burger Shot! Qu'est-ce que vous voulez manger, messieurs? Mettez-moi aussi un menu, s'il vous plaît, chef. C'est menu, ok. 7 menus! 8 menus! 10 menus! 10! 15! On arrange, c'est bien. C'est quoi les enchères? C'est les enchères ici aussi? Ouais, ils sont fous. Putain, c'est qui c'est ton cœur là? Je sais pas, je le connais pas. Incroyable. Alors, moi, j'ai 2 menus. Qui mangera pas ça? Monsieur, mais vous venez de manger mon menu devant. Mais il faut toujours goûter, monsieur. C'est la base. Quoi? Voilà. Mais moi, c'est une technique qu'on a dans le chat. T'avais pas faim en vrai. Pour être sûr que c'est bon, on teste d'abord ça, la qualité. Ah ouais, c'est tranquille, je comprends. Attends, mais je t'ai pas donné ton pourboire, Mathieu. Non, tranquille, donne à mon employé. Moi, je suis le patron. Mais je suis le patron, Roya. Donne aux employés. Tu vas pas donner au patron, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, bah pour tout le monde. Mais ça vous a plu, messieurs? Ouais, totalement. C'est. J'ai lu quelque part que les Arabes, vous aimez pas trop le porc. C'est plus les porcs qui nous aiment pas trop, quoi. Et quand je dis les porcs, je parle de la police, hein. Je parle pas des cochons, moi. Ok, d'accord. Vous aussi? Ah, je vous cache pas que la Guadeloupe, il y a des personnes ici. Putain, je dis, je me fais contrôler tout le temps. Ah, ça? Tout le temps. Je sors d'un mariage, je me fais contrôler. Je sors du cimetière, je me fais contrôler. Je sors de la fête foraine, je me fais contrôler. Après, c'est normal aussi. Vous avez fait des traits, genre militaires, là, sur le visage. Mais parce que je suis un survivaliste, c'est pour ça. Et moi, j'ai t'as un visage, on peut pas t'oublier. Un quoi? Survivaliste. Survivaliste. Ça veut dire quoi, ça? Bah, je fais du survivalisme. Je connais des techniques pour survivre dans la nature et tout. Vous savez faire du feu avec des silex, c'est ça? Ouais, je sais faire du feu, ouais. C'est quelque chose de bien. Vas-y, montre-moi. Je te courrais même pas. Pas dans le magasin, quand même. Avec une serpillière, deux canettes, reculez, deux canettes. Ouais. Et une paille, bam, je te fais un feu. Oh, ah, mais c'était sûr. Incroyable. Et tu peux faire cuire ta nourriture et tout au calme. Pas beau ça? Je suis sûr que c'est beau. Franchement, on viendra plus souvent ici. Ouais. Ah, si vous apprenez des techniques, hein, moi je suis là, y'a pas de soucis. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Nous, on travaille. Moi, je suis patron du Galaxy et.
Il y en a quelques-uns, c'est mes employés. La boîte de nuit, après, là. C'est des amis. Tout à fait, seigneur. Elle est ouverte tout le temps ou il faut des soirées ou... Là, on va dire qu'elle a pris un peu la poussière ces derniers jours, mais c'est d'actualité, là. Parce que moi, j'aime bien danser et tout. Hein. Flambeau comme il faut. Eh ben, n'hésitez pas à venir, vous serez le bienvenu. Ok, ça marche. Bah, c'est gentil, bah, merci à vous. Oui, allô. Oui, allô, Paige. Oui. Ouais, dis-le, je t'ai occupé, je faisais du business. Ouais, du business, ouais. Bah, t'es dans le sud, là? Ouais. Vas-y, on se capte. Ah, vas-y. Vas-y, je suis à l'hôpital. Je suis à côté de l'hôpital. Vas-y. Wariad! C'est qui l'appareil? Mathieu Khanez. Ça va, monsieur? Abdoulaye, et toi? Ça va, Abdoulaye. Qu'est-ce que tu racontes? Votre tête, elle me dit rien, mais de votre nom et votre prénom, j'ai un gars, il était dans ma classe, il s'appelait comme vous. Khoya, c'est que c'était moi alors, Khoya? Vous êtes sûr? Parce que moi, je me rappelle d'un Riyad, Khoya, et d'Algérie. Ça vous dit un truc que Bart, Jazoun, Mamadou? Bien sûr, c'est moi, Khoya! Mais non! Mais bien sûr, c'est moi, t'étais à l'école avec moi! School RP, oh putain! Ça va sinon la vie? Alhamdoulilah, et toi? Ça raconte quoi? T'as une femme, t'as des enfants? Non, et t'es resté bloqué, tu sais. Moi, Khoya, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Deux femmes? Ah ouais. Dis Machallah, dis Machallah. Machallah, la première et la deuxième sont au courant l'une de l'autre? Non, j'ai dit des femmes. Ah, j'ai entendu deux. Bah t'es fou, trop que je me limitais à deux, Khoya, ça va pas. Combien toi? Khoya, quand on aime, on ne compte pas, Khoya. Oui, c'est sérieux là. Ben ouais, Khoya, pourquoi t'as qu'une seule femme, toi? J'en ai zéro, moi. Oh là là, M'skin. Ah ouais, mon pote. Mais Khoya, il faut y aller. Il faut foncer, Khoya. Oh, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qui se passe? C'est le travail, quoi? Non, mais des fois, j'en ai vu rencontrer une, mais elle a tourqué devant des gars. Alors, non, c'est normal en Amérique. Mais moi, je dis, je suis pas un Américain. Je dis, c'est pas normal, ça. Ah ouais, ça, c'est pas normal, Khoya, par contre. Hein. Bah, vas-y, ça fait plaisir, Khoya. C'est elle, la meuf, là. Une des deux, Khoya. Une des deux. Tu penses, c'est laquelle derrière elle? Je sais pas. Hein. C'est laquelle tu penses? Tu fais une passe décisive avec l'autre, genre? Je pense que c'est la meuf à gauche. Inch'Allah, c'est pas la meuf aux cheveux roses. Attends, ça veut dire que tu la connais même pas? Khoya, je me suis marié il y a 10 minutes avec une meuf, je la connais même pas. Dis wallah, elle s'appelle qui, elle dit? Wallah, la meuf, elle s'appelle Tisha, c'est une balasse. C'est pour le quarat, sans mentir. Bah. Avec le quarat, ça? Ouais, t'inquiète. Ah bon? Eh oui. C'est tout ça. Maghrébien, t'as, on est d'accord? Ouais, je suis marocain. Je me rappelle. Vas-y, on s'y en courant, Khoya. Vas-y. Paige, c'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Vas-y, monte. Salut, Mathieu. Salut. Ça va ou quoi? C'est qui? Oui, c'est Lola. Ah, Lola. Comment tu vas? Vas-y, montez. Là, je vais aller voir un pote, là, il sort de prison et tout. T'inquiète. Ouais, non, mais moi, vraiment, il faut que ce soit dans pas longtemps, là. Hein. Ouais, tu vas faire quoi, là? Rien, il faut juste que je fasse un truc important. Bah, vas-y, Lola, je vais te déposer, alors, à ton truc important. Oh là là là. Et voilà, c'est mon pote, je vous présente Tobias. Il est célibataire et super beau gosse. Salut Tobias. Oh, ça va ou quoi les gars? Vas-y, bien tranquille. Je te dépose où là? Non mais je sais moi, pas. Moi je suis un bad boy, t'as capté sur du rap, c'est tout, t'as capté quoi, ton numéro? Je sais pas du coup. Comment? Attends, toi tu vas me rendre fou, je te jure. Mais toi... non mais vas-y, roule, on verra après. Je te dirai où faut me déposer quand ce sera l'heure, ok? T'as cru que j'étais ton chauffeur ou quoi, wesh? Vas-y, descends, tu m'as saoulé, descends. Ah oh, bah non, pas descends, ta race, descends. S'il te plaît. Descends, ta race, tu fais la meuf mystérieuse, ça me casse les couilles, j'aime pas les meufs comme ça. Putain, je dois faire un truc, je fais pas un truc, parle pas, roule. Bah déjà bonjour. Hey Paige, comment tu vas? Eh, ça va bien et toi? Bah écoute, je te présente Tobias qui est à côté de toi, je vous laisse faire connaissance, allez-y. Bonjour. Tobias. Oui. Allez, présente-toi, Khoya, je te ramène. C'est pas madame. Ça va? Voilà, j'ai un bungalow de 18 cm. Je m'appelle Tobias, je fais une congolaise qui s'appelle Ota Asni. Voilà. Quoi? Et vous madame? Une quoi congo? Quoi? Et j'ai fait des études congolaises. C'est quoi, voilà. Ça c'est rien. Et toi, ça va? C'est quoi ton prénom? Allez, on va t'inviter à manger. Moi, c'est Paige. On va t'inviter à c'est manger. C'est quoi, c'est Paige? Il commence à pleuvoir. Oh là, ton brochet, cours. Cours dans le restaurant. Viens, couvert. Attention. Oh là. Attention. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui veut que je t'allume? Tu as fait tout à l'heure. C'est pas moi. Mais non, mais. Non, mais non, Tobias, c'est quoi ça? Qui veut que je t'allume? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Wesh, Rachida, ça va ou quoi? Une balle de c'est toi le responsable ici. Une balle de bière. Ouais, c'est moi le responsable, pourquoi? Je vais porter plainte, je me suis brûlé avec ton feu de camp, tu crois? Tu trouves c'est normal d'avoir un feu de camp dans un restaurant? Mais c'est un barbecue. Bah tu vas voir le barbecue, on en reparlera avec la police. Je m'en fous, Poucave, va, dégage de là, Poucave, va. Porte plainte. Non, voilà, je porte pas plainte. Thomas, prépare à manger à Paige. Va dans les cuisines, t'inquiète. C'est un cuistot, c'est un chef cuisinier. Pourquoi tu m'as appelé? Tu prennes le. Pour te dire que je vais porter plainte. Attends. Bah viens, on y va ensemble, gars, si tu veux. Attends. Bah t'inquiète pas, attends. Regarde, il y a le sang de moi et du médecin, Miskin. Attends. Quel médecin?
Mais attends, mais qui t'a dit de te jeter dans les flammes déjà, Hamara? Bah, je sais pas. Je voulais voir si mon crâne chauve il brûlait ou pas. Mais toi, t'es bizarre attends. Comme neuf, Wallah. Vas-y, bah, go billard et puis on se fout de la gueule. Vas-y, viens. Non. Si, si. Elle voit que je suis conduire et tout. Vas-y, monte. Tiens, Paige, je suis galant. Ah, je rigole, vas-y, monte. Putain de merde. Mais t'es solide, t'as les appuis solides, hein. C'est ça. C'est ma Paige. Ça se passe bien, les voiture, là. J'espère qu'elle glisse un peu. Ouais, mais en même temps, la moto, il pleut, je veux dire... C'est pas... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, putain. Eh, j'en étais sûr, fallait pas que tu conduises. Dégage. C'est bon, ça court. Dégage. C'est là. Bon, tiens, vas-y. Voilà, toi, là. C'est la fatigue. Tu veux impressionner des meufs, c'est pour ça que tu fais ça? Oui. Ah, ouais. Hop là, regarde. Le saut de mouton, croyant, un grand classique. Hop là. On retourne sur les pattes. Ouh. Qu'est-ce que tu fais, Rachid? Oh là, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bout la haram, qu'est-ce que t'es en train de vendre? Chem, viens, Nana, le pétard. Viens, cours ta mère. T'as vu Paige, les meufs d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça, c'est pas, non? Et toi, ça distribue des prospectus, ça fait des trucs bizarres à la fête foraine et tout. Eh, il faut un gage. Celui qui perd, il a un gage, un truc comme ça. Celui qui perd, il doit boire 8 litres d'alcool. Vas-y. Paige, écoute, si tu perds la partie, tu dois boire 15 whisky d'affilée. Allô. Ouais, Rachid, j'ai un truc pour toi, là, viens. T'as quoi pour moi? Bah, viens, justement, wesh. Bah, t'es où? Bah, là où t'étais en train de distribuer des trucs, là, je sais pas quoi, là. Des chocolats? Ouais, okay. Oui, tu distribues du chocolat, ouais, bien sûr. Ouais. Vas-y, je suis là. Non, en vrai, tu leur donnes quoi? Du chocolat? Ah ouais, tiens. Menu salade, salade. On m'a donné un sachet, je sais pas quoi, là, tiens. Ça me prend de la place pour rien. Ah! On t'en a pas donné d'autres? Il pleut. T'as le crâne lisse, tu donnes des chocolats à des gens que tu connais même pas. C'est quoi ta vie, en fait? En fait, il me faut faire de l'argent, tu vois. Pourquoi? C'est quoi tes projets? Ouvrir une mosquée. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Daniela Hernandez, Newgate. Newgate, et tu veux ouvrir une mosquée? Bah, je suis reconvertie. Reconvertie en quoi? Wesh, qui veut de toi, en vérité, Allah? Bah, t'inquiète pas. Okay, heureusement, il y a un bon Dieu. Ah bah, ça c'est sûr, hein. Ça ne serait plus là, à mon avis. Tu travailles pas? Si, je travaille, mais vas-y, c'est un travail dur. C'est quoi comme travail dur? Avec dans les vignes. Dans les vignes? Ouais, j'ai le dos en vrac là, oh, je suis une vieille moi. T'as quel âge? 9 ans. 29 ans? Ah oui, hein. Le dos il supporte plus les vignes. Ouais, je t'ai cru que t'étais un chameau ou quoi, comme ça, il supporte plus, wesh. Et Zama, tu préfères donc courir dans la rue, parler avec des inconnus et leur donner des chocolats, c'est dangereux ça? Bah ouais, mais ça va, tu vois, les sachets ils sont pas lourds, du coup ça passe. Vas-y, tu viens d'où toi? Hey, raconte-moi vite fait ton histoire, tu viens d'où? Je suis mexicaine-américaine, je suis un peu un garçon manqué, tu vois. Que d'habitude je frappe bien, mais là malheureusement, je sais pas. C'est pas montré. Tais-toi, oh là, tu parles trop. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, viens, je ramène un otage, j'arrive. Qui a perdu? C'est la merde. Ah, non. Oh putain, 15 whisky. J'ai ramené un otage. C'est pas le moment d'être un otage. Ah, bâtard, tu fais du haram, viens, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vendre. Eh, je fais quoi? J'appelle les flics parce qu'elle a un sachet de cocaïne sur elle. Alba, ah non, tu fais ça, voilà, t'as reines pure. Moi, y'a moyen, en vérité, j'appelle les flics, hein. Et là, tu fais vas-y, ça. Vas-y, Paige, viens. Je suis barman. Excusez-moi. Je suis barman. Paige, oublie pas, c'est toi qui m'as acheté. Regarde ce qu'il fait de moi. Je crois que tu es son esclave encore. Mais Paige, c'est toi qui l'as acheté 42 €? Mais oui, c'est moi qui l'ai acheté, bah oui. Mais incroyable. Bah venez, je vous offre un verre, venez. Les mains menottées, ça va être super pour boire le verre. Bon, Rachida, je fais comment? Tu me donnes combien pour pas que je te dénonce à la police? Comment ça, je te donne combien là? C'est toi, tu me dois de l'argent, tu me dis. Attends. Bonjour, je suis démontée là, madame. Ouais, vous inquiétez pas, non, mais elle vend de la drogue, moi j'aime pas être comme ça, les drogués là, ça me dégoûte. J'ai besoin d'argent. Hein. Cul sec, c'est parti. Donc. T'enchaînes, hein. Il est. Maître. Madame. Oh, maître. Oh. Regarde, elle a pas tenu 10 whisky? Tiens, je t'ai mis 12. Une de vraie dev, ok. Techniquement, si je tiens les 10. Tiens, regarde, mets-toi à côté d'elle. Ok, bon, on va tester. Normalement, 12, ouais. Ça passe. Hein. On commence par de l'eau pour rincer le gosier. Un sandwich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Vous pouvez me décaler, monsieur? Ah, mais si, ok. Ah, mais c'est moi, croyant, laisse tomber. C'est pas si quoi? Oh, croyant, coma éthylique, hein.
Beldem comment est-il ? Je te jure, il a pris 12 whisky, croyant. T'es pas musulman, toi, de base ? Si, de temps en temps, ça dépend. Comment ça dépend ? Pendant le ramadan, tu l'es plus, c'est ça ? Mais là, il est 2h10. Non, mais je parle pas d'aujourd'hui. Quand tu m'as dit ton zonton. Ça dépend, les périodes. Ça dépend, c'est les périodes de solde ou pas ? Oui, ça dépend, parfois je suis pas chaud. Ah, madame. Viens avec moi dans les toilettes. Oula ! Mais elle est malade, elle, ou quoi ? Oula.